Et bonjour à tous et bienvenue sur la Gata TV, vous êtes en compagnie du Droid Geek et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Mario Kart Tour. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo dessus, donc ça me fait très plaisir de vous faire partager un peu mon avancement avec moi. Et on va sûrement faire une bonne série de semaines aujourd'hui. Donc depuis la dernière fois il y a eu une mise à jour, donc quelques corrections de bugs ainsi que quelques petits ajouts. Donc si on va dans l'actualité, avis de mise à jour. Donc il y a l'ajout de la liste de badges, donc maintenant on peut y accéder facilement. Ajout d'informations sur les points, d'autres nouveautés de changement, donc comme des notifs. Et puis voilà, c'est tout. Et une mise à jour, plutôt pas vraiment une mise à jour, mais une nouvelle saison qui va bientôt approcher, qui va débuter le 23-10-2019. Donc qui apportera le personnage Luigi ainsi que sa map, donc je crois que c'est Luigi Mansions, mais voilà, donc c'est plutôt bien, ça évite que ça se concentre que sur Mario ou Peach. Donc là on peut accéder directement au badge maintenant depuis ce menu là, donc badge, et puis là vous pouvez voir un peu tous les badges que j'ai et je peux les sélectionner pour pouvoir les afficher. Donc pour l'instant toujours pas de date pour la mage multijoueur, donc à voir quand est-ce que ça arrivera. Donc j'espère que ça viendra très bref... ah, excusez-moi, très bientôt, mais bon. Donc on va commencer cette vidéo en faisant des summons. Donc là j'ai 60 gemmes, je vais pouvoir effectuer au moins 10 tirs plus 2 ou 3. Donc on va essayer d'attraper Mario. Allez, c'est parti. On va faire les 10 tirs. À la suite, la petite mitrailleuse. Et donc on débloque Morton. Baby Peach, je l'avais déjà, donc elle passe d'un niveau. C'est plutôt bien. Skullerex, donc up. Ludwig. Ah, une étoile, attention, attention, attention. Qu'est-ce que ça va être? Hop là, Mario Akama. C'est plutôt bien, je pensais pas l'avoir, mais je suis content. Wendy, beaucoup de semaines de personnages là. Koopa. Je ne sais plus à combien je suis. Les ailes qui vont prendre encore un niveau. Donc ils vont passer niveau 3. C'est plutôt bien. Surtout que je les utilise beaucoup. La chip mobile. Je l'avais déjà débloqué. Le Caravelos. Original comme véhicule. Un petit bateau sur roue. Donc récapitulatif. Donc on a 1, 2, 3, 4 nouveaux personnages et un nouveau kart. Je vais pas me plaindre. Allez, on va continuer avec les trois dernières gemmes en espérant avoir un bon truc. Bon, ça sera pas sur celui-là. Encore la chip mobile, donc elle passe d'un niveau. On va continuer. Allez, allez. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va voir? Mario. J'avais pas débloqué Mario tout. Le Mario de base. Deux Mario dans une seule série. C'est plutôt bien, moi, je dis. Et l'Emmy. Que j'avais déjà débloqué. Et donc, voilà. Ça va être tout pour cette série de semaines. Donc, allons voir ça. Ah. Des petits défis de remporter. Ça, c'est bon. Donc là, ma liste de pilotes commence à bien augmenter. Donc là, on peut voir à peu près tous les nouveaux. Donc j'ai eu bébé Mario entre deux. J'ai eu bébé Harmony aussi. Et après, le reste, je les avais déjà débloqués dans la dernière vidéo. Au niveau des cartes, ça commence à se remplir aussi. Donc vous voyez qu'il m'en manque pas énormément. Donc c'est plutôt bien, donc depuis la dernière fois j'ai débloqué le Crash Feu, ainsi que le Turbo Yoshi.
Et ça doit être tout. Hop. Et au niveau des ailes, est-ce que j'en ai eu des ailes? Il me semble pas. Ouais, ça a plus du mal les ailes. Après, je pourrais en acheter dans la boutique, mais bon, là, j'ai pas trop les sous pour. Puis on va continuer avec quelques petites courses histoire de bien terminer. Donc on va essayer directement Mario Kauna. On va prendre avec. Allez, on va le mettre dans une belle petite voiture rose. Allez, c'est parti. On va essayer de faire un bon score, ramasser un peu de points. Allez, on accélère et c'est parti. Allez, allez. Un petit poulpe qui fait plaisir. On enchaîne les figures. Hop. On accélère. On prend l'accélérateur. Pour l'instant, deuxième, c'est bon. Hop là. Qu'est-ce que c'est que cette boîte-là? Ok, ça met des pièces à tout va. Ah, j'aurais dû garder la première carapace. Je me suis fait avoir. Allez, un petit éclair pour finir. Oh, je me suis fait rouler dessus. Décidément, ils m'en veulent là. Il va falloir que je rattrape tout ça. C'est pas gagné. Allez, allez, allez. Au moins finir dans le top 3, ça serait plutôt bien. Allez, on remet encore ça. Les pieds-pièces, les pieds-pièces. Ouh, j'ai eu de la chance avec cette carapace rouge et la bombe. Je ne savais pas qu'il y avait cet objet-là, la petite boîte jaune avec le point d'interrogation qui mettait des pièces comme ça. C'est plutôt bien. Ça permet d'apporter des sous et surtout de faire des points. Donc là, ça monte un peu en niveau. 7517, nickel. Je suis bien au-dessus. Allez, suivant. Encore un défi de débloquer, réaliser 20 figures en une seule course. En même temps, là, vu tous les sauts qu'il y avait, c'était assez simple. Et ensuite, allez, un petit défi sur les anneaux. Allez, c'est parti avec Bébé Mario et le kart de base. On va essayer de faire ça bien. Ok. La première a été foirée. Allez, hop, ça c'est bon. On zigzague. Ah, j'ai pris trop court. Hop là, on va essayer de bien les prendre. Ah, passer à côté. J'ai un peu du mal aujourd'hui. Vraiment. Du mal. Hop là. Ouais. Hop là. Ça, c'est fait. Est-ce que je vais avoir tous les points maximum au moins? Ah, il me manque un anneau. Ce n'est pas grave. Je le referai un peu plus tard. On a débloqué un cadeau. Ainsi que la coupe suivante. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on va voir? Bon, bah, le Caravelos que j'avais déjà débloqué en début de partie. Et un petit ticket. Le passe-or, non merci. Hop là, ça, c'est bon. On va prendre Todd avec sa petite voiture là. Ainsi que. Les ailes carapace. Donc cette vidéo sera assez courte, je pense, une petite dizaine de minutes. Donc là, vous commencez à connaître Mario Kart, donc
Oui, ça commence directement en volant. Ok. Hop là. Si vous voulez. Hop là. Ou toi, t'es arrivé directement sur ma banane. C'est dommage pour toi. Oui, aïe, aïe. J'aime pas les rochers qui tombent. Allez, allez, hop là. Voici. Ah mince, mauvais côté. J'ai failli me faire enchaîner et me prendre la bob-bombe derrière. Mais ça va. C'est passé pile poil. Allez, allez, allez. On lance la carapace rouge. Ah, décidément. Bowser, il m'embête un peu là avec sa carapace qu'il n'arrête pas de lancer. Hop là. On va essayer de rester devant, de ne pas se refaire avoir. On va garder la banane au cas où. Bon bah, c'est pas pour ça que je voulais la garder, mais bon. Hop, ça c'est bon. Donc deux carapaces rouges, deux carapaces vertes, on va en garder une, par sécurité. On va lancer la carapace verte, on va mettre la banane, normalement ça devrait aller. On va choper le deuxième, et voilà, premier. 8880 points. Ouais, il manquait plus qu'un 8 et puis ça ferait un petit quadruplé là, ça aurait été pas mal. Donc les ailes qui prennent un petit niveau. Bon, ça j'ai explosé le truc, donc nickel. Les 5 étoiles. Et on va terminer avec le désert Calimari. Je pense que ce sera déjà bien pour cette vidéo. Allez, allez, hop. Sélectionne-moi le désert Calimari. On va essayer un des nouveaux persos. Je n'ai pas débloqué ce truc-là. On va essayer le petit... ce qu'on a débloqué. On va voir à peu près ce que ça donne. Allez, c'est parti. Début de la course. Quatrième pour l'instant. C'est quand même un poids lourd ce personnage. Hop là. Hop là, double massacre à la bombe. C'est plutôt bien, moi je dis. Ça fait un bon départ. On va garder la carapace verte jusqu'au prochain... Jusqu'à la prochaine boîte à objets. Pas envie de me faire avoir. Hop. On récupère les pièces. J'ai bien fait de garder ma banane. À chaque fois, je me fais avoir par une carapace rouge qui arrive au dernier moment. Et hop là. Techniquement, ce n'est physiquement pas possible. Allez, hop. Ah, il y a Todd qui commence à se rapprocher. Mais on ne va pas le laisser faire. Hop. Et voilà, il s'est pris la carapace verte en pleine poire. Allez, un petit final. Et non. À 5512 points, je ne sais pas si ça va le faire pour avoir les 5 étoiles maximum, vu que là, ça commence à augmenter. On va voir ça. 5500... Ah ouais,
pensais pas. Tant mieux. Donc 23 pièces d'or. Et puis voilà. Hop. Donc ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc petite session summon principalement. Une petite vidéo courte. N'hésitez pas à télécharger le jeu, à y jouer. Donc si vous voulez, je peux vous remettre mon code ami directement à l'écran. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des demandes. Donc de toute façon, les liens sont dans la description, les codes amis sont dans la description. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!